Bonsoir et bienvenue dans On a tous essayé. Avec ce soir, Christophe Alévèque, Elsa Fayère, Arnaud Ginois, Caroline Diamant, Claude Sarraute, et un nouveau sportif, le jogger Gérard Miller. Faites tout pour essayer de vous rajeunir, Gérard. Ouais. Maintenant, le truc à capuche et tout. C'est enfin, les vacances. Les implants. Les effets de style. Ce sont les vacances, Gérard. Non. On ne dit pas c'est les vacances, on dit ce sont les vacances. Alors, je tiens à le dire, je continuerai à dire je m'excuse et c'est les vacances, c'est tout. Alors que ça n'est pas français, c'est vrai. Je vais me permettre de toucher parce que ça sent le jogger en cachemire quand même. Hein. Enfin, ça ne doit pas sentir beaucoup la transpiration. Elsa Fayère, belle tenue, ça je vous dois plaît. Dire. Ah oui, regardez ce qui est écrit sur mon Qu'est-ce truc. Qu'est-ce qui est écrit? Fausse blonde. C'était pour Caroline Diamant. Mais je croyais que c'était fake blonde, non, non c'est non, fake. Non, non. C'est... Pas encore. Caroline Diamant. Pardon, mais d'ici, c'est ce que je vois, quoi. C'est ce qui a marqué derrière. Il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de l'imam de Vénissieux, Abdelkader Bouziane, en voie d'expulsion parce que ses propos, vous le savez, sur l'adultère, les coups portés à l'épouse infidèle et la polygamie ont provoqué un véritable tollé. On nous raconte d'ailleurs ce matin que l'imam vivait avec ses deux épouses et ses 16 enfants dans un petit appartement de la banlieue lyonnaise. À France 2, on regrette. Si on avait su ça avant, on y installait des caméras et on pouvait enfin concurrencer la ferme et les colocataires. Mais je crois qu'un certain nombre de ces propos ont choqué, y compris des musulmans tout à fait pratiquants. Et c'est vrai que dans une démocratie, on ne bat pas les gens. L'imam Abdelkader Bouziane est donc en tout cas favorable, vous l'avez entendu ou lu dans son interview, à la polygamie. Rappelons qu'être monogame, c'est avoir une seule femme. Polygame, c'est en avoir plusieurs. Et David Beckham, c'est une femme et plusieurs maîtresses. Vous n'êtes pas permettre. Polygame, vous êtes David Beckham, vous plutôt, hein? Non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Voilà, sujet suivant. David Beckham, justement, il n'a pas de chance puisque le journal Métro nous apprenait ce matin que le Spice Boy risquait d'être indisponible pour le prochain match du Real de Madrid vu qu'hier, il s'est blessé à la cuisse gauche, nous précise-t-on. On nous précise aussi que c'est à l'entraînement. Évidemment, ça lui est arrivé pendant qu'il essayait de jouer au football. Hein. On pourrait imaginer chose, mais enfin, en tout cas, quand même, une cuisse blessée, ça laisse une cuisse droite pour toutes les filles, c'est quand même pas beaucoup. Et quand on regarde bien cette photo, on se dit que David Beckham ferait bien de changer de sponsor. Regardez, il continue à faire de la publicité pour les portables. Quand on sait ce que lui ont coûté ses derniers textos, il ferait mieux de porter directement une pub pour les préservatifs, franchement. Dis donc, il s'est rasé le crâne à zéro, il est beau. Ah oui? Ah oui, j'ai vu hier à la télé. Sa femme, Victoria, peut pas faire la même chose, on verrait les cornes. C'est vrai. Si Beckham est un drogué du sexe, en tout cas, il faut qu'il se méfie parce qu'il va finir comme Maradona, victime d'une overdose. Excusez-moi, Laurent, on ne dit pas une overdose, on dit une surdose. Mais j'ai dit une overdose. Oui, mais ça ne fait rien. Même et pour oui. faire un bon si jeu de mots... Si je dis surdose, le jeu de mots ne marche pas. Vous voyez, oui, Gérard mais même pour faire un jeu de mots... Non, 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 non. C'est les vacances, hein, oui. C'est les vacances. Ah oui, vous n'aviez pas compris. Bon, bien sûr que j'ai compris. Oh, tu peux le dire, c'est pas grave. Enfin... Gérard, un moment de honte est vite passé, non, c'est non. pas grave. Mais pas du tout. Diego Maradona, maintenant, eh bien, sachez que Maradona va mieux. Une évolution satisfaisante, nous disait le journal 20 minutes ce matin. Et regardez ce qu'il tient dans la main sur la photo. Et oui, Maradona avait tellement peur de son image, et que surtout elle soit liée son image à celle de la drogue, qu'il boit du Pepsi. Et oui, il ne veut pas qu'on le voit avec une canette sur laquelle on peut lire Coke. Les fans du footballeur, en tout cas, ont passé une deuxième nuit de veille devant la clinique de Buenos Aires, où il est en réanimation. Chambre 21, 22, 23, 24 et 25. On dit pas Buenos Aires, on dit Buenos Aires. C'est vrai, vous avez raison, Buenos en Aires. En même temps, on dit pas footballeur, on dit footballeur. Oui, mais toi, mais on t'a rien demandé, là, tu comprends?
C'est pas parce que tu t'es habillé avec ta nappe de cuisine ce matin qu'il faut te croire tout permis. Hein. Alors c'est drôle que tu m'en parles parce que je trouvais que ça faisait un petit peu Clowns Avatar. Donc je te remercie pour la nappe de cuisine. Oui. Tu as une très jolie cuisine. Voilà. Allez, ça sort pas mal. Heureusement que t'as pas de pellicule, on aurait confondu avec des miettes. On reste dans le football avec la victoire hier soir. Évidemment, tout le monde en parle, de Monaco contre Chelsea 3. Hein. Un très bon score, Gérard, avant d'aborder évidemment le match retour. D'autant que les Monégasques ont dû finir la rencontre à 10 contre 11. Le prince régné ayant dû quitter le terrain parce qu'il ne tient plus 90 minutes. Il faut dire que les Monégasques sont très motivés pour rejoindre les clubs de Reims, ouais. Marseille et Saint-Etienne. Seul club français dans l'histoire du football à avoir atteint la finale de la plus prestigieuse Coupe européenne. Et on comprend qu'ils soient motivés, les Monégasques, parce que Didier Deschamps leur a promis le trophée. Regardez le trophée, on le voit à la une de Gala ce matin. C'est la nouvelle Stéphanie. Gérard, un mot sur la nouvelle Stéphanie, elle est jolie. Alors absolument, je la trouve très très jolie et je trouve que plus elle vieillit, plus elle devient belle, franchement. Qu'est-ce qu'on a fait de l'autre? Je sais pas, la nouvelle Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Elle fait mieux. Elle est remplaçante. Elle est intense. Oui, d'ailleurs, on ne nous dit pas dans l'article si Stéphanie de Pinder est toujours fâchée avec sa sœur Caroline de Hanovre. C'est vrai qu'il y a toujours une forte concurrence entre les deux frangines. Au dernier comptage, en tout cas, il y aurait eu plus de visiteurs en Stéphanie du Sud qu'en Caroline du Nord. On termine avec cette photo de l'affiche de Philippe Devilliers pour les Européennes. Non à la Turquie dans l'Europe. C'est la future affiche de Devilliers. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Devilliers a toujours été plus proche du trône que des toilettes à la Turque. Moi, j'aime bien les toilettes à la Turque. Oh. C'est bien mieux. Franchement, c'est quand même mieux que les toilettes à la grecque. Regardez Nana Mouskouri, elle est toujours obligée de nettoyer ses lunettes. Plus sérieusement, Gérard, vous êtes pour la Turquie dans l'Europe ou pas? Alors, j'ai pas encore tranché, mais je pense qu'il y a deux choses essentielles. C'est d'une part que la Turquie soit définitivement démocratique, d'autre part qu'elle reconnaisse une fois pour toutes le génocide qu'elle a commis contre les Arméniens au début du siècle dernier. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on dit à la Turquie qu'elle pourra rentrer dans l'Europe. C'est une sorte d'engagement qui a été pris. La question simplement, c'est qu'elle remplisse les conditions, la démocratie et la reconnaissance du génocide arménien. Moi, voilà, je suis d'accord, mais à deux conditions. Qu'elle reconnaisse le génocide arménien, que ça devienne une démocratie. Les vols à l'étalage sont fréquents dans les grandes surfaces et génèrent d'énormes pertes pour la grande distribution. Que je vous rassure, elle ne risque pas pour autant de faire faillite tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces larcins concernent tout le monde sans distinction de sexe, d'âge ou de classe sociale. C'est-à-dire que les personnes âgées, comme les plus jeunes, les cadres, comme les ouvriers ou les mères au foyer, volent dans les grands magasins. Parmi les produits les plus volés, il y a par exemple les cosmétiques, les cravates, les piles. Il y a aussi les réfrigérateurs, mais c'est moins facile à cacher dans les sous-vêtements. Dan Bolander, qui passe toujours à la caisse après ses caméras, qu'il cache lui aussi, a testé pour nous les dispositifs anti-vol dans les supermarchés. Regardez cette caméra signée Marcel Bélanger. Bonjour, ici Dan Bolander. J'ai testé les dispositifs anti-vol dans les supermarchés. Démonstration. Épatant, non? Ah, pardon, monsieur. Attendez, parce qu'il y a un système d'alarme, c'est pour ça. Voilà. Attendez, je vais le désactiver. Hein. Et c'est moi qui fais tout ce truc-là? Oui, parce qu'en fait, nous avons mis des petites puces électroniques dans certains produits. Alors, logiquement, ça doit sonner à la sortie, mais là, il y a eu un bug. Écoutez, je préfère que ça sonne là plutôt qu'à la sortie. Oui. À la sortie, vous tombez tout con, là. Dire, mais qu'est-ce que j'ai baboté quelque chose ou quoi? Oui, bah oui, vous avez bien raison. Attention. Qu'est-ce que vous avez pris, là? Là, elle est encore là, hein, celle-là. Là. Ah, d'accord. Voilà, c'est bon. Ah, je touche plus à rien, moi. Hein. Bon, allez, je m'en vais. Hein. Attendez, voilà. De rester là, je prends des trucs de lait. Bougez pas. Je désactive le système. Hein. Ça devrait pas sonner ici. Quand on met un dans le panier, il y a un problème de conception dans votre magasin. Oui. Mais vous savez, n'importe qui maintenant vole. Les jeunes, les n'importe cadres, qui vole, supérieurs. Mais vous prévenez les gens que vous installez des systèmes sur les produits. Mais parce que si on dit aux voleurs, vous voyez... Mais il n'y en aura plus. Effectivement, vous aurez plus votre gagne-pain. Tu vous en fous, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. L'orange du marchand.
pardon, madame. C'est la salade qui a sonné, attendez. Tenez-la moi, je vais la désactiver. Voilà. Parce qu'en fait, il y a un système d'alarme. Hein. Et pourquoi un système d'alarme? Je vous explique, parce qu'il y a beaucoup de vols à l'étalage dans le magasin. Donc, nous avons placé des puces électroniques. Ça nous rassure. Exactement. Parce que quand il y aura moins de voleurs, voilà, comme vous ça dites. Ça sera un monde meilleur. Ah, attendez, mais c'est moi qui vous fais sonner partout. Attendez, vous avez pris quoi? J'ai rien pris. J'ai touché les kiwis pour savoir s'ils étaient mous ou durs. Mais lequel avez-vous touché? Parce que... Ah, mais je ne sais plus, monsieur. Je l'avais pris ici ou ici. Attendez. Je ne sais plus. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, à l'intérieur, regardez, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite puce électronique, vous voyez? Dans chacun des kiwis? Ben, dans la plupart des kiwis, oui. Voilà, ils ont installé un nouveau système d'alarme. C'est ouais, pour ça. Ça a l'air d'être une vraie merde. Pourquoi une vraie merde? Bah, puis ça sonne dans tous les sens. Ah oui, logiquement, ça devrait sonner à la sortie. Donc pour l'instant, c'est une vraie merde. Ah bah, oui, comme vous dites. Hein. J'ai pas l'intention de les bouffer, moi, les puces électroniques. Qui foutent ça à l'intérieur des aliments, je trouve ça à la fois con et dangereux. Avec ça, il y aura moins de vols. Oui, mais il y aura bientôt plus de clients si ça continue. C'était un papier dans Libération très intéressant, paru avant-hier, qui nous détaillait effectivement le profil du voleur de supermarché. On va accueillir le président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, M. Jérôme Bédier, qui va tout nous expliquer. Bonsoir, bienvenue. On ne parle d'ailleurs pas de vol, vous le dites très bien, c'était expliqué dans l'article de Libé, on parle de démarque inconnue, c'est bien ça? C'est le terme technique, hein, et en fait c'est le vol à l'étalage qui existe depuis toujours. Voilà, mais pourquoi alors on ne veut pas dire vol? Bon, parce que c'est un sujet qui est quand même un sujet assez sensible, parce qu'il met en cause certains de nos clients. Donc on essaye de faire en sorte que ce problème-là ne prenne pas trop d'ampleur, mais n'abîme pas les relations qu'on a avec nos clients dans les magasins. C'est une grosse perte financière pour les supermarchés, la grande distribution? Il y a une étude européenne qui a été faite et qui aboutit à un chiffre de 75 euros par an et par européen. Ah donc, oui. C'est quand même pas mal. Oui, mais vous vous rattrapez parce que vous augmentez vos prix. Bah, c'est pas nous qui nous rattrapons, c'est l'ensemble des autres consommateurs qui payent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte de ces coûts dans l'ensemble de nos coûts. Ça veut dire que ceux qui ne volent pas sont volés. Ceux qui ne volent pas, effectivement, payent pour ceux qui volent. Donc il y a un pourcentage identique par rapport au début de la grande distribution? Grosso modo, oui. C'est fou, ça. Grosso modo, oui. Mais on a vu dans un magasin, par exemple, quelqu'un qui s'était fait un manteau dans lequel pouvait rentrer une vingtaine de bouteilles. Un espèce de manteau spécial, très large. Et bon, il a fini par être... il a fini par être pincé et il y avait 20 caches de bouteilles dans le manteau. On a vu aussi un cas où quelqu'un faisait deux chariots absolument identiques. Oui. Et donc, il passait son chariot, il payait. Et puis, juste après, il repassait un deuxième chariot identique, d'un air conquérant et assuré. Et puis, si on lui demandait, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il sortait son ticket de caisse, il disait, mais voyez bien, j'ai déjà à payer, je suis rentré prendre quelque chose d'autre, et mais voilà. C'est impossible, c'est pas emballé. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais si vous faites deux chariots exactement identiques, avec les mêmes produits. Gérard. Loin de moi l'idée, le moins du monde, de justifier le vol. Mais je voudrais quand même un peu complexifier le problème. Est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment qu'à force d'aguicher les gens avec les publicités, avec tous ces produits de plus en plus formidables, vous les poussez aussi à désirer des produits qu'ils ne peuvent pas forcément acheter. Je ne parle pas des kleptomanes, je ne parle pas d'un certain nombre de gens qui pourraient payer. Mais je suis frappé de voir que jamais vous n'intégrez, vous, dirigeants de grandes surfaces, le fait que vous nous tentez sans cesse et qu'au moment où vous nous prenez le doigt dans la confiture, vous nous dites « Ah, c'est pas bien ». Le métier de commerçant, c'est de tenter. Ouais. C'est notre métier, c'est d'offrir des produits et des services qui font que ben, le consommateur... Il a envie d'acheter, il a envie de changer un peu sa vie. Tenter un peu, tenter beaucoup, tenter énormément. Oui, la publicité... Honnêtement, regardez nos linéaires, c'est quand même assez raisonnable hein, comme principe de tentation. Pardon, prendre la défense des grandes surfaces, parce que c'est pas mon but. Mais enfin, franchement, Gérard, on ferait mieux d'intégrer dans les familles que voler, c'est pas bien, et que quel que soit le cas, qu'on soit tenté ou pas, on ne vole pas. Voilà. C'est la règle de départ, c'est quand même oui, mais c'est pas non. Mais écoutez, Laurent, c'est pas la seule règle. La règle, c'est aussi de faire en sorte que dans cette société, les gens aient un minimum ce que tout le monde voit sous les yeux. C'est pas vrai. Oui. Voler, c'est très mal. C'est très mal. Non, je suis sensible. Non, mais la réalité aujourd'hui, chose c'est, qui me gêne. Alors, écoutez, alors, par exemple, pardon, Gérard, de vous dire, mais vous avez un très beau scooter. Je trouve que c'est tentant de le laisser sur le trottoir devant le Moulin Rouge. Donc, vous allez justifier la première personne qui va vous voler votre scooter parce que vous l'avez laissé sur votre trottoir. Et il est très tentant, votre scooter. N'adoptez pas forcément le point de vue des propriétaires et des patrons. Écoutez ce que je dis. Je ne dis pas que le vol, c'est n'adoptez bien. N'adoptez pas non plus le point de vue des voleurs. Je suis désolé. La réalité aujourd'hui, c'est que la mentalité est en train de changer. Avant, même s'ils sont des personnages de romans,
On disait Robin des Bois, Arsène Lupin, etc., qui n'ont d'ailleurs jamais existé. Bon, bien sûr. Maintenant, tout le monde a compris. Merde, putain, le truc. Tout le monde a compris. Tout le monde a compris que le zéro tolérance était la seule manière de régler les problèmes. On voit bien que les gens se rendent compte que, ben, il faut essayer d'éviter que les larcins se développent et il ne faut pas avoir trop de tolérance là-dessus parce qu'après, ça crée des situations qui sont ingérables. Je voudrais faire une remarque parce que je suis vendeuse dans un grand magasin, je suis énormément cliente. On a, la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, font leurs courses à l'heure du déjeuner. D'accord ? Et quand tu arrives au rayon de la mercerie que tu as mis des heures à trouver au 7e étage pour t'acheter une paire de lacets, il n'y a personne. Tu peux aller dans tout le rayon, tu as pas. Elles sont toutes, c'est l'heure de table. Hein ? Je connais, je connais. Et donc, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu finis par embarquer la paire de lacets. Ça, c'est un autre cas. Alors. Si, c'est un cas important. Vous faites des économies sur le personnel, vous engagez de moins en moins de gens. Maintenant, il n'y a plus que des gens qui réalimentent les gondoles. Il n'y a plus de personnes à qui on puisse demander un renseignement. Vous faites des économies là-dessus. Alors, acceptez de perdre sur le vol. Ce que vous ne faites même pas, puisque vous vous remboursez. Non, mais c'est vrai que... Encore, non mais encore. Alors que tout à l'heure, dans un autre débat, Gérard, vous parlez d'autorité, vous parlez... Moi, j'ai beau être tenté, c'est dans ma mentalité, dans ma moralité, je ne volerai jamais. Vous aurez beau me tenter le plus du monde, c'est une question de rigueur, une question de morale, une question mais de... Laurent, mais vous avez peur. Mais non, je suis désolé, c'est une question d'éducation. Alors, je suis pas du tout d'accord avec vous pour une fois. Je trouve vous avez souvent des propos sensés. Là, on dirait que vous faites l'apologie de quelque chose. C'est mal se conduire que de voler. Et donc, il n'y a pas à justifier de leur côté un mauvais comportement. D'abord, en tant que distributeur, ce ne sont pas eux qui communiquent, mais les marques qu'ils distribuent. Donc, il n'est pas responsable des tentations qui nous sont faites, puisque ce ne sont pas eux qui dirigent les campagnes de publicité des différentes marques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je ne suis pas attiré personnellement par l'interdit. À quelques restrictions prêtes. J'ai le choix de ne pas acheter, de ne pas céder à cette tentation. Rien ne vient justifier de mal se conduire. Et voler, c'est mal se conduire. Vous avez déjà volé, vous, monsieur, un petit peu ? Bah non. Une cravate. Mais c'est bien fort. Faut demander à ma mère. Hein. Monsieur Bédier, soyons sérieux. Demandez à ma mère, mais moi... Cette cravate, vous l'avez pas achetée. Vous n'avez pas me reparler de ma cravate. Chaque fois que je viens, on me fait une remarque sur ma cravate. On vous remercie en tout cas d'être venu nous expliquer les vols et les systèmes anti-vols dans les supermarchés. Merci. Merci. On va avoir la tête du bon sens. Vous rêvez d'être bronzé toute l'année comme Gérard Miller ou Jack Lang. N'allez plus faire d'UV, c'est mauvais pour la santé. Essayez plutôt la douche à bronzer. C'est nouveau, ça vient de sortir. Le principe, on se déshabille, on protège ses cheveux avec une charlotte. Arnaud Gidouin va vous raconter ça dans un instant, il l'a essayé pour nous. On entre dans une cabine et là, miracle, un nuage de brume auto-bronzant vous inonde le corps et en 6 secondes, ça y est, vous êtes bronzé, vous pouvez rentrer chez vous, enfin... Vous rhabillez avant de partir, hein, quand même. Certains disent que ça marche, d'autres sont un peu plus sceptiques. Thierry Marquet, avant qu'on ouvre ce débat, s'est fait une place au soleil dans notre émission et il a testé l'efficacité de la douche auto-bronzante. Regardez cette caméra cachée par Frédéric Gilbert. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé l'efficacité de la douche auto-bronzante. Ginny ? Surprise ! On se rappelle, hein ? Bonjour. En fait, Ginny est venue faire une séance, vous savez, d'auto-bronzant avec la douche. Oh là là, mais j'ai jamais vu ça. Le produit auto-bronzant ne peut pas faire du noir, en fait. Imaginons, ça a été très mal fait, il peut vous donner donc des taches marron, d'accord ? Noir, ça, c'est autre chose, je cherche à savoir ce qui a pu se passer. Vraiment, je n'ai jamais vu ça, il faut qu'on trouve une solution. On a notre gérant qui ne va pas faire la douche. Mademoiselle est venue samedi faire la douche auto-bronzante. Vous êtes rentrée, ça vous a gratté. Déjà, ça sentait le poulet grillé. Oui, mais ça, c'est l'odeur de la DHA. C'est l'odeur de l'ADHA, de l'agent auto-bronzant. Ça, c'est normal de sentir le poulet quand on rentre. Oui. Elle doit faire des photos en maillot de bain. Elle a des plaques comme ça partout. On va être obligé de donner le contrat. Donc, nous, on passe à côté d'une somme de 31 000 euros. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai des dermatos, des avocats. Attaquez-moi avec plaisir. Je ne me sens en rien responsable de ce qui vous arrive. En rien. Samedi, Ginny, ma copine, a fait une séance et le résultat,
c'est ça. Là, je suis étonné, vraiment. Ah, mais moi aussi. Ah oui, non, mais je me mets à votre place. Mais elle a des marques, là. Les marques qu'on voit, c'est votre auto bronzant. Pourquoi qu'il a coulé? Ça coule pas comme ça. Ah bah, c'est la première fois, je vous rassure, que c'est la première fois que je vois ça. Je vais arrêter tout de suite. Hein. Moi, je veux pas que les clientes, elles viennent comme ça. Hein. Je suis choqué. Bah, le problème, oui, c'est le contrat, parce qu'elle doit partir vendredi pour faire des photos, maillot de bain, lingerie. La vraie tête de Ginny, c'est ça. Hein, elle était belle. Et je veux bien. Hein. Moi, elle était belle, elle va être belle, elle a pas une maladie, elle a simplement quelque chose qui est pas normal. Qu'est-ce que vous avez? Non, mais vous avez fait une allergie, en fait. Je sais pas quoi vous dire, mais allez voir déjà un toubib. Vous êtes allé à l'hôpital voir un toubib, un dermatologue? Non, je suis venue les voir ici directement, je pense que ça... Mais ils s'en foutent, il faut aller voir un dermatologue déjà. C'est bizarre, en tout cas, ça n'a jamais vu ça. Ça fait des marques noires, là. Attention, j'avais pas regardé. C'est de la peinture, c'est de l'autobronzant concentré, c'est tout. Mais vous, vous faites des douches ici aussi, ça vous a jamais rien fait? Moi, j'en fais pas beaucoup, parce que j'aime pas la couleur par rapport à l'image. À la photo, au maquillage, c'est pas ça, ça me fait vert, moi. C'est pas un bon bronzage. Là, j'ai besoin d'être bronzé rapidement pour la séance. Oui, mais je sais, on a tout, c'est le problème. Précisons tout de suite que Nikos, notre confrère de TFA, ne tient pas un centre de bronzage. Non, ouais. Il ne s'est pas douté que c'était une caméra cachée, mais il nous a autorisé à diffuser quand même les images. On l'en remercie au passage, mais comme on a vu ça, on croirait que c'est lui le patron du lieu. Il ne fait pas des extras dans une cabine auto-bronzante. Si vous voulez sortir de la douche, tapez 1. Si vous voulez sortir de là. Alors, il y a quelqu'un qui a essayé pour nous. Regardez d'ailleurs le résultat. Alors, regardez comme il est bronzé. Alors, vous allez nous le raconter, mais avant que vous nous le racontiez, on va accueillir sur ce plateau une dermatologue qui s'appelle Nadine Pomared et qui vient de publier d'ailleurs Une belle peau, mode d'emploi chez Marabout Éditions. Regarde, si vous êtes bronzé, non. Non, non. Je suis convaincue du discours. Vous n'êtes pas pour le bronzage. Les boules. Non, non, je suis convaincue du discours, donc non, le bronzage, non. Le bronzage, non. Politiquement correct. Bah, en même temps, regardez, ça fait de bagnole. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Oui. Et c'est vraiment... Alors, je peux raconter? Allez-y. Alors, en fait, il y a tout un travail. Elle nous explique tout. La nana, qui est très, très sympa, d'ailleurs, qui s'appelait Amélie, que je salue, qui est très jolie, très sympa. Elle rentre dans la douche à bronzer avec vous? Hélas, non. Hélas, non. Si, hélas, c'est non. Pour ça qu'il a tout le devant qui est... Hélas, non. Alors, oui, alors, c'est ça. Donc, on se déshabille. T'étais tout nu? Tout nu, bah, évidemment. Montrez. Donc, la Charlotte, oui, après. Donc, on met une Charlotte. Et après, donc, c'est nous qui déclenchons le système de jet. Et là, il y a une chorégraphie. Parce qu'on nous apprend à faire une chorégraphie pour que donc, tout le corps soit bronzé. Vous pouvez la faire au centre, la chorégraphie? Bien sûr. Non, mais c'est très ridicule. Hein. On me met c'est très ridicule. Pour la faire. Donc je ferme la porte, voilà. 3, 2, je respire, je ferme les yeux, les gestes déclenchent. Et... Tintin, je suis grillé. C'est absolument incroyable. On peut lancer une danse pour cet été. Mais hein. Oui, non, mais c'est... C'est la Macarena, c'est hallucinant. Alors moi j'avais peur, j'avais un petit peu peur au début, parce que c'est vrai que pour avoir utilisé quelques fois de l'autobronzant, ça laisse souvent des traces sur les sourcils, ici, au commissure des lèvres. Et là, c'est pas du tout. Plutôt pas mal fait. Alors montrez un peu la différence entre avant et après. C'est pas totalement uniforme. Non, c'est pas voilà. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, oui. Ah ouais, c'est léger. Ouais, hein. Oui, j'ai un peu froid, excusez-moi, je suis pudique. Il y a une épaule qui a moins pris que l'autre. J'ai dû merder dans la Corée. Ah oui? Alors moi, je me suis embrouillé dans la Corée. Ce côté-ci est moins bronzé. Ça, c'est assez rigolo. Bon, vous trouvez que c'est débile? Ah non, pas du tout. Non, non, moi, je trouve ça très, très bien. Si les gens utilisent des autobronzants, que ce soit en douche, il y a même des pistolets maintenant, en crème, en spray, en lingette. Moi, je suis tout à fait d'accord. Les gens ont envie d'être bronzés de toute façon. Ils ont envie d'avoir bonne mine, ça leur donne un côté bonne santé. Un bon moral. Donc, si ça peut leur éviter d'aller trop au soleil, on est tout à fait d'accord, ouais. Ça c'est clair. Combien de temps ça va tenir, on le sait ça? Non, c'est une semaine normalement, après ça s'égrène. Ah, il faut retourner à la douche toutes les semaines? Ouais, c'est mais ça non, qui est... pas forcément. Vous permettez? Oui. Non, parce que moi j'utilise ça, mais je vais pas à la douche. Oh la dingue. On se croirait en téléachat. Allez Elsa. Montrez-nous votre produit, parce que, Elsa. Parce que quand j'ai entendu qu'on en parlait, j'ai dit bah, je vais vous montrer le mien. Ouais. Et en fait, ça, c'est le brumisateur personnel. Mais oui. Qu'est-ce que t'as dit comme moi, chacun le sien. Chacun le sien. Non, celui-là ne vibre pas, mais si tu en as envie d'un. Oh putain. Elle existe en version personnelle.
Non, non, mais sans rire, c'est très bien. Parce qu'en plus de ça, maintenant, dans les nouveaux autobronzants, il n'y a pas de carotène, donc ce qui fait qu'on n'est pas orange. Moi, c'est vraiment un truc qui me faisait peur. Et en, ça sent hyper bon. Et on le vaporise sur le visage ou sur le corps. Hein, voilà. Et juste avant d'aller en vacances, je vous le conseille, c'est formidable. Vous ne serez pas blanche comme un cul, mais jolie et bronzée comme Cindy Crawford le fut. Voilà, c'est mon objet. Ça sent bon. Pas seulement Cindy Crawford. Vous-même, Elsa Fayère. On vous a vu tester ce genre de produit. Oui. Regardez Elsa. C'est quoi alors? Et bien justement, c'est exactement le même produit. La seule chose, c'est qu'à l'époque, ça n'existait pas en pulvérisateur perso. Donc ce qui fait que j'avais la grosse machine. J'avais pas envie de tester sur le visage, donc j'avais fait l'effet avec ces pochoirs pour qu'on regarde bien l'effet. Et donc maintenant, on peut faire le suivi avec ce petit brumisateur. On se l'applique tous les soirs. Ça dure 30 secondes. C'est vachement bien. Quel conseil vous pourriez donner avant l'été, justement? Crème auto-bronzante, pourquoi pas? Après tout, on est bronzé plus vite et ça permet de ne pas griller sur la plage pendant des heures pour obtenir le même résultat. On est tout à fait d'accord. Ah, on est d'accord. En revanche, ne pas oublier que c'est parce qu'on a mis de l'auto-bronzant, c'est pas pour autant qu'effectivement on est protégé des rayons du soleil. Il n'y a aucune protection par rapport au soleil. Donc c'est vrai que ça peut donner l'impression d'être bronzé, mais en revanche, vous avez toujours la même sensibilité au soleil que si vous n'étiez pas. C'est-à-dire qu'en gros, il faut, si on veut être bronzé plus vite, mettre de l'auto-bronzant, mais continuer à mettre de la crème de protection solaire si on va sur la plage, même quand on a mis de l'auto-bronzant. Tout à fait. C'est moins dangereux que, moi j'appelle ça les grippins. Les UV. Les UV, ça c'est plus dangereux ça. Alors ça par contre, c'est vrai que nous, on tolère 10 séances par an parce que c'est vrai que certaines personnes les utilisent, donc ça existe. Mais c'est vrai que nous, on préfère de loin les cabines autobronzantes ou tous les autobronzants qui existent que les cabines UV, ça c'est clair. C'est pas mal ce petit guide quand même. Une belle peau mode d'emploi chez Marabout, parce qu'on sait que la collection Marabout donne souvent des bons conseils, c'est complet. Mais est-ce que vous avez eu le droit de citer des marques par exemple? C'est pas que je n'ai pas voulu en citer. Parce que dans les magazines de beauté, évidemment, on a toujours un doute parce qu'on se dit, est-ce que ce sont des annonceurs qui payent, évidemment, pour vanter telle ou telle marque de produit? C'est toujours le risque qu'on a. Jusqu'à quelle limite on peut faire confiance aux articles de conseils qu'on lit dans les magazines féminins et masculins maintenant? Parce qu'on se dit, mais d'accord, ils me conseillent tel produit, ils disent que c'est très efficace, mais est-ce que c'est pas parce qu'ils sont payés pour? Non, mais là, je suis payée par personne et il n'y a aucun nom de crème. Il y a simplement des conseils pour bien entretenir sa peau en fonction de son type de peau. Puis aussi des conseils par rapport au soleil, parce que c'est vrai que bon, il y a les cabines d'auto-bronzant, mais il y a aussi les compléments alimentaires qui permettent de préparer les peaux les plus claires et puis ne pas abuser du soleil de toute façon parce que ça la vieillit. Et puis il y a le problème des cancers cutanés qui est un problème beaucoup plus important et médical. Parfait, vieille belle peau. Belle peau mode d'emploi chez Marabout, pardon. Merci, docteur Pomared. Merci. Un nom prédestiné, d'ailleurs. Oui, on a déjà dit. Au revoir. Le 16 avril est sorti « Les pères et les mères » chez Odile Jacob, un livre écrit par un pédiatre spécialiste de relations familiales. Ce spécialiste s'appelle Aldo Nauri. Cet ouvrage, somme toute assez provocateur, part d'un constat simple. Nos sociétés auraient éjecté le père, privilégié la mère et hissé l'enfant au sommet de la pyramide familiale. Plus schématiquement, la mère fait tout et le père rien, à part aller boire des bières avec les copains. Pour Aldo Nauri, cette répartition peut être néfaste au bon développement de l'enfant qui a besoin d'un papa pour savoir reconnaître les joueurs de l'AS Monaco de ceux de Chelsea. Pour tester ensemble ce livre, Les pères et les mères, un livre qui fait parler, fait la une de l'Express la semaine dernière. Accueillons son auteur, le docteur Aldo Nauri. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Moi, j'avais l'impression que, justement, les rôles devaient être maintenant partagés, que c'était comme ça qu'on voyait bien l'évolution d'une famille. Vous revenez plutôt à l'ancien modèle familial. Ah, pas du tout. Ah, si. Pas du tout. Ah, si. Je prends simplement ce qu'il y a dans l'ancien modèle familial qui était capable de construire un enfant, et je me dis, compte tenu du fait des changements, essayons de comprendre quel est l'ingrédient qui a été jeté avec le reste et qui fait que cet enfant en manque aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons affaire aujourd'hui à une population d'enfants qui sont de véritables tyrans et qui exigent tout de suite. Alors, et ça, c'est à cause du rôle du père? C'est-à-dire que le père, à l'intérieur de la famille, de manière traditionnelle, est cet individu qui permet précisément, par sa présence et par le fait même qu'une mère tient compte de lui, fait que l'enfant n'a pas disposition de sa mère tout le temps et qu'il peut éventuellement accepter une frustration
une attente du temps qui passe et faire l'expérimentation du temps qui s'écoule sans que mort s'en suive. Claude, d'accord avec ça? Alors oui, mais tu sais, il est dur ton livre. Ah bon? Ah oui. Et alors, il a un truc épatant, et je trouve que c'est très vrai. La mère sécurise et le père rivalise. C'est-à-dire que c'est très net. Il envoie l'enfant en l'air, il joue avec, il taquine. Et donc, il prépare l'enfant à un monde difficile. Tout à fait. Voilà. Il l'a guéri, l'enfant. Voilà. Et donc, vous pensez qu'il faut revenir à ce schéma-là? Il faut retrouver ce que ce schéma produisait dans le vécu de l'enfant. Gérard? Alors, je vais quand même dire ce qu'il y a de profondément vrai, à mon avis, dans ce que vous dites, c'est que les places ne sont pas interchangeables. Voilà. Je comprends très bien qu'on soit attaché, surtout ma génération, encore plus que la vôtre, docteur, soit attaché au fait que les mecs, comme les nanas, partagent les tâches ménagères. Mais il n'y a pas de problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ne se prennent pas l'un pour l'autre. Le problème, c'est exactement ça. Et vous le dites très justement, quand on parle du père, ça n'est pas toujours le géniteur. Il y a parfois, effectivement, le père absent ou le père mort. Donc, il peut y avoir une autre personne ou une autre fonction qui remplit ça. Et justement, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce qu'on a voulu comme disparition de ce genre de construction produit des effets considérables au niveau de la pathologie des enfants. Parce qu'on est là à vouloir impérativement les séduire, les satisfaire, faire d'eux des individus qui ne manquent de rien. Vous voyez. Mais c'est en ça que je dis, j'ai l'impression que, non pas ce que vous proposez, mais en tout cas ce que vous constatez, c'est qu'il faudrait quand même faire une sorte de retour en arrière, parce que quand même depuis des années, on nous dit tout le contraire. Ça veut dire qu'on nous a dit des conneries depuis... On en a dit plein de conneries, on n'a pas arrêté. Caroline Diamant. Alors, dire que la lecture de votre livre m'a dérangée, ce serait peu dire. D'abord, j'ai trouvé ça très compliqué à lire. Oui. Vous faites des phrases très longues, alors peut-être que je n'ai pas l'intelligence requise pour les comprendre, peut-être. Mais... mais, non, je dis peut-être. Mais en général, c'est quand tu penses l'inverse que tu le dis. Tu vois? Donc, en l'occurrence, c'est parce que je sais que j'ai l'intelligence nécessaire pour comprendre que je me permets de le dire. C'est justement ça qu'il faut changer chez les mères. J'ai eu l'impression, je me suis jetée dessus. Oui. Les pères et les mères, quand on est marié, qu'on a des enfants, c'est un sujet forcément intéressant et passionnant. Et en plus, à coller à votre nom, ça m'a fait me jeter dessus deux fois plus vite. Après, quand on arrive dans le vif du sujet, vous faites un constat, votre constat est vrai. La place du père n'est plus ce qu'elle devrait être aujourd'hui. Mais ça fait 25 ans. Mais ce n'est pas parce que le constat est vrai que l'analyse est bonne. Or, votre analyse, c'est une fois que le constat est fait, les mères devraient laisser ou devraient redonner au père la place qu'il devrait avoir. Non, les pères peuvent la prendre, déjà. Ce n'est pas qu'à la femme de la donner. Il faut qu'il la prenne, mais si jamais elle ne veut pas, ils peuvent monter au ciel et descendre. Hein. En même temps, ils divorcent, justement, ils font et puis, quantité de choses. Et puis, vous oubliez que moi, je connais quand même énormément d'hommes qui sont extrêmement contents de quand même... pouvoir aller travailler tranquillement et ne pas mais s'occuper pas du tout des enfants. Mais c'est pas ça. Je veux dire que ça n'est pas le fait qu'on s'occupe d'un enfant qui fait nécessairement d'un homme un père. Ça n'est pas ça. Un père, ça n'est pas du tout... Ça n'est pas perçu par l'enfant comme étant accolé à la personne physique qu'il voit. Le père, c'est celui qui, précisément dans la relation à la mère, est découvert par l'enfant dans la mère. À travers, véritablement, sa manière d'être. Donc, toute la responsabilité retombe sur la mère d'accorder ou non au père la place qu'il mérite. Mais c'est fondamental, mais c'est exactement cela. Tandis que quand elle considère qu'en définitive, l'enfant est sa chose, qui lui appartient, qu'il est sorti de son utérus, mais qu'elle va tisser autour de lui un utérus virtuel extensible à l'infini, eh bien, à ce moment-là, il n'existe pas de père. Il y a quelque chose qui foire là-dedans. Moi, j'ai l'intention de faire passer un message le plus largement possible au plus grand nombre de pères et de mères. Qu'est-ce que je fais? Je donne des coups de gong. Ça résonne dans les oreilles. On est emmerdé. On est là en train de dire, mais il va y avoir quelque chose. Et effectivement, vous arrivez. Vous voulez que ça résonne dans certaines oreilles plus que d'autres. Oui. Vous donnez aux hommes le conseil de quoi? Aimez votre femme. Voilà. Baisez-la. C'est exactement. Ce que vous dites. Vous dites que vous mettez ça sur des ordonnances. Tout à fait. D'accord. Oui. Tout à fait. Et donc, en gros, ils doivent jouer les amoureux de la femme et à la femme de se démerder. Voilà. J'ai trouvé que vous avez quand même beaucoup accablé les femmes. Débrouillez-vous pour rendre la mère de vos enfants au moins à 50% femme, parce qu'elle l'oublie souvent, de l'être.
Est-ce que je résumerais voilà. une de vos thèses très simplement en disant évitez cette relation qu'on appelle fusionnelle mmh. entre la mère et l'enfant. Faites voilà. en sorte qu'il y ait un élément tiers. Voilà. C'est ça qu'on appelle le père. C'est celui qui justement ouvrira l'enfant sur le monde et pas seulement sur la relation voilà. à la mère. C'est très très sensé, très juste. Tout à fait. Et après, cet élément tiers, c'est pas forcément le papa parce que malheureusement la vie fait que c'est pas toujours le papa Tout qui à est fait. Là. Christophe Alévèque. Moi qui ai lu beaucoup d'ouvrages sur l'élevage des enfants. En m'endormant souvent page 12, celui-ci m'a réveillé. Bravo. Aldo. Oui. C'est pas rassurant pour les ouais. femmes. Là. Si, 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 si. T'as déjà si, toutes les féministes que... Si, si, si. Et j'aimerais bien qu'on ne me coupe pas, car j'ai écrit un discours. Ah. Cela m'a inspiré un discours sur la survie de l'espèce papale. Oui. C'est voilà. le début. Les pères sont en train de disparaître, mammouth. Des temps modernes, perdus, déboussolés, prévisibles et pitoyables, culpabilisants, cherchant sa place dans ces utérus géants qui entourent encore les enfants bien après l'accouchement. Si d'après la logique de la grossesse et les chiffres de l'INSEE, les femmes font plus d'enfants que les hommes, en plus, elles ont évolué, et pas nous, prenant toujours plus de place dans le théâtre social et familial. Tout l'orchestre est pour l'homme le strapontin. Oui! Aujourd'hui, elles travaillent de plus en plus. Elles font tout. Elles sont envahissantes, débordantes. Et nous, on fait quoi dans tout ça? On se les gratte sur le strapontin en attendant que l'utérus s'entrouvre. Et pourquoi c'est toujours le papa qui dit non et la maman qui dit oui, alors que dans la vie normale, c'est souvent l'homme qui dit oui et la femme qui dit non? Oui! Permutons les rôles pour la survie des papas. Les mamans doivent changer, et pas seulement les enfants. C'est la lutte finale. Groupons-nous, et demain, le papa idéal retrouvera son destin. En attendant, les papas font ce qu'ils peuvent, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et pour citer mon fils de 7 ans et demi, paraphrasant sa mère qui n'a pas lu votre livre, tu m'as cru, patate crue, t'es tout nu dans la rue. Je suis pas sûr d'écouter. Xavier, parlons, docteur Maori, mais vous m'aviez presque convaincu alors que j'étais un peu réfractaire, là. Je me disais, quand même, il veut revenir en arrière. Tu sais. Mais alors là, lui, il m'a fait rebasculer. Je continue à penser ce que je pensais au début, finalement. Non, qui veut dit père, dit repère. Arnaud Gidoin, papa, lui aussi. Bah oui, moi j'ai trouvé ça vachement fataliste comme bouquin, en fait. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais pas croire à ça, parce que j'ai tendance à essayer de faire autre chose, justement. Oui. Et je crois que finalement, vous avez raison, et ça m'emmerde un petit peu. Et d'un autre côté, c'est vrai, et je vais aller encore en plus dans votre sens, c'est qu'à la fin du livre, vous dites que le gamin a besoin de repères. Tout à fait. Il a besoin qu'on lui dise, justement, va à cette heure-là, tu manges à ce repas-là, okay. et que souvent, quand c'est non, il n'y a pas à discuter, il n'y a aucune discussion Absolument. À avoir, et que ce n'est pas souvent le père qui veut dire non. Le père n'est pas toujours l'autorité absolue dans le couple. Non, non. Je dis et d'ailleurs c'est qu'il la faut... mère aussi, justement. Je dis d'ailleurs qu'il est comme une pile, il s'use. Ouais. Il faut le réserver seulement pour les grandes occasions. Voilà. Et la plupart du temps, c'est à la mère de dire non pour deux raisons. La première, c'est que elle a une communication avec son enfant qui est infiniment plus fiable et plus simple que le père n'en a, puisqu'elle l'a porté pendant 9 mois, et qu'il y a là un module de communication qui se met à l'intérieur du cerveau, mais du cerveau organe. La première chose, c'est celle-là. Et quand elle dit non, N-O-N, à l'enfant, l'enfant se le tient pour dit, tandis que quand le père dit non, l'enfant a toujours la possibilité de dire « le salaud ». S'il l'avait laissé faire, elle m'aurait dit oui, n'est-ce pas? Mais quand elle dit non, elle, à cet enfant, Exactement. Elle le dit au nom N-O-M du père, qui est celui à qui elle a dit oui, pour que cet enfant vienne au monde. Il s'en passe des choses dans nos têtes. En tout cas, absolument. De même, voilà. Les parents doivent dire aux gosses, non, tu ne regarderas pas TF1. C'est les parents qui doivent décider. Oui, absolument. Maintenant, non, mais c'est vrai. C'est important de le dire, ça. Les gosses, ils regardent n'importe quoi. Ils se branchent sur des émissions à la con où un type met un bonnet d'âne, un œuf de Pâques et tout ça. C'est aux parents de dire ça, c'est plus intelligent. Voilà. Il faut regarder ça. Tout à fait. Dites-le. Et pourquoi vous n'écrivez pas? Absolument, je vais l'écrire. Les parents doivent décider. Tout à fait. Et sans se justifier. Sans se justifier, c'est très important. N'oublions pas que notre espèce obéit à une loi, la loi de l'interdit de l'inceste, qui est un pur arbitraire. Ça va chier dans les familles ce soir. On ne vous remercie pas, docteur. Aldo Naouri, les pères et les mères, c'est chez Odile Jacob. Merci.
En ce moment et jusqu'au 29 mai, au Théâtre de Paris, se joue Un bon salaud, une pièce avec en vedette Bernard Tapie, mais aussi Agnès Soral, Pascal Robert, Mathilde Pénin et Natacha Amal. Natacha Amal, c'est elle que nous allons accueillir sur ce plateau. Vous le savez, elle est l'héroïne de la série Femmes de loi sur la chaîne concurrente. Et dans cette pièce, elle interprète l'une des femmes trompées par Bernard Tapie. Oui, parce qu'il est beaucoup question de maîtresse et d'infidélité dans Un beau salaud. D'ailleurs, si Bernard Tapie venait à arrêter le rôle, David Beckham serait déjà pressenti par la production pour le remplacer. Pour tester ensemble Un beau salaud, accueillir tout de suite, Natacha Amal. Bonsoir, bienvenue. Je vous en prie. Enchantée. Moi, je vous ai vu dans cette pièce où je dois dire, alors vous donnez, hein, vous dégagez. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais regardez la tête des abrutis. Non, je regardais, ça descend plus bas. Vous pouvez imaginer où? Il y a moyen, Mais après, il y a un système d'alarme qui se déclenche, il y a un truc ou... J'ai lu d'ailleurs qu'à ce propos, à propos de votre charme, votre séduction, votre beauté, n'ayons pas peur des mots, quand vous étiez jeune, ça vous embarrassait parce que vous étiez un peu surprise par les réactions. Aujourd'hui, vous assumez tout à fait ça. Ça, c'est un peu osé de dire ça. C'est-à-dire que la réaction de Christophe à l'évêque, elle vous dérange ou... Elle ne me dérange pas, vu que c'est moi qui ai choisi de porter le décolleté que je porte aujourd'hui. Voilà. Donc, si j'ai choisi de le porter, c'est que je l'assume d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Voilà, c'est ça. Si ça fait toute l'émission, bon ben... Natacha, vous l'assumez depuis que vous êtes toute petite, puisque j'ai lu dans votre bio... Je portais que pas déjà, comme si, ça quand que lorsque petite, vous étiez petite, vous vouliez être une femme canon. Bah, maintenant, vous êtes effectivement canon, donc c'est tout à fait réussi, non? Une femme canon, vous savez ce que c'est? Oui, dans un cirque. Bon, voilà. Merci. Excusez-moi, j'ai tenté un jeu de mots. Non, mais j'ai un humour un peu limité. Non, mais écoutez, moi, je trouve ça normal qu'une femme canon soit complimentée par un boulet. Ce que t'as pris, c'est les vacances et c'est ta fête. Pardon, mon GG. C'était pour le jeu de mots. Mais je sais bien. Boulet. C'est excellent, bravo. C'est les vacances. Ouais. Vous avez vu la pièce, Caroline? Ah bah absolument, je l'ai vue hier soir. Ça tombe très bien, d'ailleurs, que ce soit vous qui soyez là, parce que je vous trouve exceptionnelle dans cette pièce. Votre voix part dans les aigus, dans les graves, vous jouez tous les registres de la pétasse. Et alors, ce qui est admirable, c'est que vous arrivez à rendre sympathique... C'est une spécialiste de la pétasse. Et c'est un peu ça, c'est vrai. Mais brave, C'est pas un rôle... Mais elle est brave, pratique, enfin, pas pratique. C'est pas un rôle facile à jouer, la maîtresse. Eh ben, elle rend la maîtresse touchante et émouvante. Et avec de l'humour, voilà. Donc, bravo, vraiment, j'ai passé un excellent rôle. J'ai vu que parmi... Le mot idole est peut-être un peu fort, mais parmi les personnalités que vous admiriez, il y avait Jacqueline Maillan. Et je trouve que vous dégagez là sur scène tel que effectivement Maillan pouvait le faire. Elle est beaucoup plus jolie, là. Évidemment. Oui, enfin, il faut voir Jacqueline Maillan à mon âge. Et moi, ce que je serais à l'âge de Jacqueline Maillan. Je veux dire, tout est très, très relatif. Elle est vraiment formidable. Oui. Puis alors, qu'est-ce qu'elle est belle. Parce qu'au début, elle arrive en jean, mais alors après, la nuisette. Avec la petite culotte dessous, écoute. Formidable. Je pense qu'on va faire venir du monde là au Théâtre de Paris pour les dernières représentations. Vous rêviez de jouer. Non mais c'est vrai que finalement la surprise, moi j'avais déjà vu Tapie sur scène, bon il est très bien, il fait son rôle, un beau salaud, c'est lui, ok, très bien. Quand même. Agnès Soral on la connaissait, Pascal Roberts, grande comédienne. Pour moi la surprise de la pièce, c'est vrai, c'est vous, franchement. Oh là là, je vais revenir plus souvent chez vous. Ça me fait du bien ce que vous me dites. Est-ce que je peux nuancer un tout petit peu ça? Parce que je n'ai pas vu la pièce et j'ai lu quelques critiques assassines sur cette pièce, notamment, si je ne me trompe, dans le journal Le Monde, qui l'a présenté vraiment comme le summum de la beaufrie, où toutes les ficelles les plus éculées étaient utilisées. Donc, je me permets de nuancer ça. Apparemment, il y a un certain nombre de gens qui ont trouvé que cette pièce était d'une démagogie épouvantable. Est-ce que c'est un tout petit peu vrai ou pas? Je vous assure que c'est interpellant parce qu'on se pose forcément la question, c'est-à-dire qu'il y a des choses... Mais on a chacun d'abord notre vision de l'humour, on a chacun notre version de ce qui est drôle et pas. On a tous, à un moment donné, on est tous confrontés devant un fait, c'est que les gens adorent ça, que
ça les fait rire et on est emporté par ça. Gérard, pardon, je vais essayer de défendre un peu ce que vous dites. C'est que le boulevard n'a jamais, de toute façon, eu de très bonnes critiques. Et on citait l'exemple de Jacqueline Maillan ou même de Maria Pacôme. C'est elle qui faisait que les pièces étaient des pièces à succès parce que c'était un peu du guignol en même temps. On va un peu là comme à guignol, on vient rigoler, on vient s'amuser. Ça n'a pas d'autre prétention que ça. Moi, j'ai vu cette pièce, alors je ne suis pas très objectif parce que j'en écris des pièces. Mais je trouve que c'est à la limite, c'est pas un mauvais boulevard. C'est pas tout à fait un bon boulevard, c'est juste à la limite entre les deux. Mais ce qui sauve la pièce, c'est l'interprétation de tous les comédiens. Voilà. Et on s'amuse beaucoup. C'est très efficace et les situations sont exploitées de façon assez virevoltante, assez rythmée, tout ça. J'aurais tendance à dire que tout ce qui peut y avoir de lourd ou limite vulgaire dans la pièce n'est pas exploité suffisamment longuement pour que ça devienne pesant. J'ai lu que votre personnage, à vous, était exploité, notamment par votre beauté, de façon extrêmement démagogique aussi. C'est-à-dire qu'on vous dénude volontairement, parce qu'on sait bien qu'une jolie femme sur scène, c'est très rare que les messieurs ne soient pas contents. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a abusé dans cette pièce de votre physique en vous dénudant? Si je pose la question. Je mène un intellectuel. On fait d'excellentes critiques sur les papiers. Catherine Breillat, elle prend bien Rocco Siffredi pour sa bite. Je suis désolé. Et personne ne voit. J'ai envie de dire que je suis prêt. Je n'ai pas le droit, Gérard. Tu n'as pas le droit, toi qui es un intellectuel, honnête et tout, tu prends l'avis d'un journal et au lieu de te faire une propre opinion, tu n'as pas le droit de dire. J'ai pas vu la pièce, mais j'ai lu dans Télérama Le Monde ou je sais pas où. Écoutez, je vais vous dire, il s'agit d'un rôle de maîtresse, donc avec une vision assez machiste de la femme. Est-ce que je vais aller contre cette vision et donc foutre en l'air mon rôle? Ou est-ce que je vais jouer dans le sens de cette vision et rendre comique mon rôle? Ça, c'est une bonne réponse. Très bonne réponse. Très bien. D'autant que je vais vous dire, si ça a été leur but d'être démagogique et de dénuder un peu Natacha Balle dans la pièce pour rendre la pièce encore plus sympathique, ils ont eu raison parce que je pense que ça va être peut-être la raison qui va vous convaincre d'y aller, Gérard. Il paraît que vous adorez chanter, vous avez failli même enregistrer un disque, c'est vrai? Oui. C'était quoi? J'ai la malle de bœuf. Oui. Vous avez un drôle de rire, j'adore les rires aussi cons que le mien. J'ai ce qu'on appelle un rire agricole. J'ai un rire agricole. Mais moi aussi, j'adore ça. Et encore, le fou rire, vous l'avez pas entendu. Le prochain disque de Natacha Amal fait ses débuts ce soir dans On a tout essayé. Qu'est-ce que vous êtes capable de nous fredonner? Oh là là! Vous adorez chanter! Non, mais vous m'avez vu chanter dans une autre émission, c'est ça l'histoire, en fait. Non, même pas. Ah bah, en plus, si maintenant vous le dites que vous l'avez fait dans une autre émission, alors là, je serais vexé que vous ne le fassiez pas chez nous. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Gigolo. Pay for every dance, selling each romance. Ooh, oh, what they say. And there will come a day when you will pass away. What would they say about me? When the end comes, I know I'm just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I got nobody. Nobody. Ah non, c'est bien. Il y a de la voix. Ah non. Une femme qui chante comme ça, I'm just a gigolo, ne peut pas jouer dans une mauvaise pièce. C'est pas possible. Vous restez avec nous 3 minutes encore pour le tac à finir. La première personnalité, Nicolas Sarkozy, le ministre des Finances, qui dit « Tout ce que raconte la presse sur nos rapports avec Jacques Chirac est absolument faux. » J'en ai la preuve. « Est absolument faux et néanmoins vrai. » On se rapproche. Et totalement vrai. Ouais, alors, il y a une formule toute faite pour exact. Ouais, alors comment on dit dans ces cas-là? Exactement, exact. Strictement, rigoureusement exact. Bravo, ouais. C'est pas loin. Il y a l'humour. Mathilde Seigner, elle déclare aujourd'hui, c'est dans France Soir, je crois, « L'infidélité, c'est sans fin.
on prend un amant, puis un autre, et ainsi de suite. Tout ça pour... Tout ça pour tirer un coup. Alors, ça se rapproche de ça. Se faire plaisir. Alors, elle parle pas des femmes, là. Elle reproche aux hommes d'être infidèles. Pour se vider les couilles. Oh. C'est dans cet esprit, en tout cas. C'est pas une expression, mais elle emploie des mots argotiques. Tout ça pour mettre le redoutable en cale sèche. Est-ce que ça désigne ce qui se passe après l'acte sexuel? Non, 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 non. Ça désigne, on va dire, le sexe féminin. Ah, ah, tout ça pour voir une foufoune. On se rapproche. Une moule. Je suis désolée, je suis un peu Mathilde Seigné ce soir. Plus gentil et plus enfantin que ces mots-là. Une chawanette. Une chatoune. Non, comment on dit? Alors, on dit un zizi pour un garçon. Une foufounette. Alors une zézette, tout ça pour de la zézette. Elle dit. Qu'est-ce qu'il y a autour de la zézette? Des poils. Et quelques poils plus bien. Tout ça pour... De la zézette poilue. De la zézette et des poils. Oui, mieux que ça, il y a une expression toute faite. Alors de la zézette poilue qui... Une moumoute. Alors de la zézette poilue qui sent un peu. Non. Mais là, c'est pas... Tu vas trop loin. C'est pas... Tout ça, oh, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Pour une zézette et des poils autour. Bravo. Exactement, Caroline. Natacha Amal est à l'affiche d'un beau salon. Elle est très drôle sur scène. C'est une excellente comédienne, on vous l'a dit. Merci, Natacha. Merci à vous. À demain. Vraiment.